Un des traits caractéristiques du bouddhisme est le grand nombre de festivals religieux. Présents dans tous les pays himalayens, ces fêtes portent différents noms selon le pays. Au Bhoutan, ce sont les Tsechu. Ils commémorent les hauts faits du grand saint Guru Rinpoche, qui ont tous eu lieu un dixième jour du cycle lunaire. Ils sont représentés par différentes danses relatant la vie et les exploits du maître.
Afin de briser un peu le sérieux et l'ennui que génèrent souvent les danses, les atsaras font de multiples apparitions entre et pendant les danses. Ces bouffons, qui représentent les maîtres religieux, singent les moines, amusent la foule par leurs pitreries et plaisanteries. Les festivals sont l'occasion pour les villageois de se rassembler, de regarder, de se montrer et en assistant aux danses, d'acquérir quelques mérites religieux. Thank you.
Son pique-nique, on plaisante et l'alcool coule toujours généreusement. Différentes manifestations ont lieu pendant ces festivals, comme les Wang, qui sont des bénédictions collectives. Yeah,
Continue de me le dire.